Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE 2017, groupement 1, deuxième partie. Exercice 1. Au mois de février 2017, on a interrogé 12 527 personnes de plus de 15 ans à la sortie du métro, à propos du nombre de fois où elles sont allées au restaurant pendant le mois de janvier 2017. Chaque personne sondée est enregistrée par un numéro de 1 à 12527. Le tableau ci-dessous présente des résultats selon la classe d'âge des personnes interrogées. Question 1. Reproduire et compléter le tableau ci-dessus. Question 2. On tire au hasard un des numéros correspondant aux personnes interrogées en supposant que chacun a la même probabilité d'être choisi. Question 2A. Déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui est allée exactement deux fois au restaurant pendant le mois de janvier 2017. Question 2b. Déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui a moins de 45 ans. Question 2c. Déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui a plus de 60 ans et qui est allée au moins trois fois au restaurant pendant le mois de janvier 2017. Alors ici, un exercice de probabilité. Donc on va recopier donc, et compléter donc, le tableau suivant. Voilà, donc ce tableau-là. Alors, donc, on va le compléter avec... Alors, pour aller plus vite, je vais vous donner les résultats ici que j'ai trouvé. Donc ici, il faut faire ici, donc par exemple, pour trouver ce résultat-là, c'est 666 moins 147 moins 404 moins 82. Alors avant peut-être, on va remplir... Total, c'était 12 527. 12 527. Ici, pour compléter cette cellule, 666 moins 147 moins 415 moins 82. Ici, on va trouver 22. Donc, ensuite, ici, 1542 moins 251 moins 174 moins 682 moins 22. On va trouver 413. Il faut aussi aider de cette ligne-là. Ici, on va trouver 384, ici 5023, donc on va trouver 3794, ici on va trouver 6308, ici 1909 et ici 1254. Ici c'est juste compléter le tableau en faisant les bonnes opérations, surtout quand il reste une case dans la ligne ou dans la colonne, on peut compléter donc cette case. Alors, ici, déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui est allée exactement deux fois au restaurant. Deux fois au restaurant, donc c'est le total qui est ici, 737. Donc la probabilité ici, A. Donc A, c'est 1737 sur 12527. Et personne qui a moins de 45 ans. Alors, moins de 45 ans, eh bien, c'est les deux cases ici. Donc ici, 5023 plus 1542 divisé par 12527. On va trouver 6565 sur 12527. Alors ici, les fractions ici sont irréductibles. C'est déterminer à personne que la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui a plus de 60 ans qui allait au moins 3 fois au restaurant. Au moins 3 fois au restaurant. Ici, ces deux cases-là. 1254. Plus 317 divisé par 12527 et on va trouver 1571 divisé par